bonjour à tous. Je suis bien content parce que je viens de recevoir un backstand acheté chez Shop Belgrinder en Pologne, de chez Pavel Pazunski. Voilà. Donc on va le déballer et on en reparle après. Donc voilà la bête. Ça doit être la facture. Ouf. Putain, c'est du costaud, hein. Mon Dieu. Bien, eh bien, je viens de finir d'installer le backstand. Je l'ai mis sur une petite table roulante pour le petit atelier, ça ira très bien. Donc, que vous dire sur ce backstand? Bah, déjà qu'il est costaud, hein, c'est du solide. Il est bien fini. Franchement, il n'y a rien à redire pour le prix. Justement, en parlant du prix, 432 euros. Il faut compter 150 euros de frais de port. Sur le site où je mettrai le lien en description, il existe différents modèles. Ici, j'ai pris un 50 par 1220. Il existe d'autres modèles, 50 par 1500 ou les plus classiques, 50 par 2000. Mais pour mon petit atelier, il me fallait quelque chose d'un peu plus compact. Sur la chaîne de Gaëtan Lamprocknives, il présentait ce modèle il y a quelques mois. C'est là où je l'ai vu d'ailleurs pour la première fois et que j'ai décidé qu'il irait bien pour mon atelier. Donc c'est pour ça que j'en ai acheté un. Allez voir leur site belgrinders.pl en Pologne. Je vous mettrai donc le lien en description. Pour ceux qui sont intéressés par un backstand, c'est vraiment la qualité et des prix compétitifs. Alors il peut... Il peut se mettre à l'horizontale. Oups. Ce qui est quand même un plus. Voilà. Il est livré avec bien sûr un petit plateau ici. Mais c'est du costaud, hein. Il est lourd, il fait un peu plus de 50 kg. Et je l'ai un peu essayé et franchement, ça mange le métal vraiment rapidement. Bonne machine. J'ai vu dernièrement que sur leur site, ils vendaient des accessoires comme une roue ici et aussi des petits rouleaux pour usiner des arrondis ici. Ils les vendent pour cette machine. Voilà, je vous fais un peu le tour du propriétaire. Hop. Voilà, donc je suis bien content de cet achat. Allez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss!